Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique qui va revenir sur la saga des Kerberos Panzer Cops. Alors, je m'excuse pour le setup un petit peu minimaliste. J'aurais adoré avoir une figurine de Panzer Cops derrière moi. Malheureusement, elle coûte un bras, donc on va faire en version un peu plus spartiate. Mais c'est pas grave, allons-y, parlons un petit peu plus en détail de la saga des Kerberos Panzer Cops. Première question qui avait été soumise, elle venait de Lucas Reboa. Par rapport à la disponibilité des premiers films live, donc Lunettes Rouges et Stray Dog de Oshii consacrés à la saga. Malheureusement, la réponse n'est pas particulièrement joyeuse parce que les disponibilités de ces films sont très réduites. En ce qui me concerne, je les avais vus dans un coffret de trois films de Oshii qui étaient sortis en zone 1. Il y avait donc Lunettes Rouges, Stray Dog et Talking Head. Il était sorti il y a bien maintenant un peu plus d'une dizaine d'années en DVD, donc aux États-Unis, avec sous-titres anglais. Je pense que depuis, il n'a jamais été réédité, donc ça va être probablement difficile, peut-être en occasion. Il s'agit donc d'un zone 1. En zone 2, ils ne sont tout simplement jamais sortis. Alors, ils étaient prévus visiblement un moment pour sortir chez Jean-Pierre Dionnet dans la collection Asian Star. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Alors, il existe certainement des éditions au Japon, mais à savoir s'il y a des sous-titres anglais, j'en doute. Beaucoup des éditions japonaises n'ont pas de sous-titres anglais, et encore moins évidemment des sous-titres français. Donc, malheureusement, ce n'est pas des films faciles à voir. Il y a peut-être des canaux alternatifs à vérifier, mais sorti de ça, je crains qu'il n'y ait pas vraiment d'autres solutions pour voir les films. Ensuite, on a Oppenheimer Noise qui soulignait le fait qu'il connaissait un petit peu la saga des Kerberos Panzer Cops, mais qu'il ne connaissait pas les médias autres que animation et film, à savoir donc manga et pièces radiophoniques. Et effectivement, je comprends tout à fait sa position parce que même moi qui étais assez intéressé par l'univers des Kerberos avant que je fasse cette vidéo, qui avait une connaissance relative du sujet, j'étais quand même un peu perdu par rapport à l'univers, par rapport aux différents supports, par rapport à la chronologie des événements. Et quand j'ai fait cette vidéo, le but c'était d'en parler avec vous évidemment, mais c'était aussi pour m'aider moi à m'y retrouver dans cet univers. Donc ça m'a permis effectivement de m'y retrouver un petit peu mieux entre les différents supports et dans la chronologie. Ce qui est assez fascinant chez Oshii, c'est que il a décidé de développer son univers à rebours en fait. Il a commencé par la fin. Lunettes Rouges, c'est vraiment la fin de la saga, la toute fin. Et à chaque fois qu'il a fait une nouvelle œuvre située dans l'univers des Kerberos, eh bien, il est remonté à chaque fois un petit peu plus loin. Avec une exception pour le manga sur Rainy Dog. Mais autrement, il a suivi à chaque fois ce chemin jusqu'à Panzerjäger, qui donc remonte à la Seconde Guerre mondiale. Ça paraît assez douteux qu'il remonte encore plus loin. C'est probablement le maximum. Et c'est assez intéressant de voir cette façon de faire. On aurait pu penser qu'il aurait préféré continuer l'après révolte des Kerberos. Mais non, non, il ne l'a pas fait. Il a fait au contraire à chaque fois des préquels. C'est original. Malheureusement, quand j'ai fait les recherches, j'espérais tomber sur des transcriptions en anglais ou en français des pièces radiophoniques. Il n'en a rien été. J'ai absolument pas pu trouver quoi que ce soit par rapport à ça. Juste un résumé général de l'intrigue et rien de plus. Donc c'est un petit peu frustrant. Alors, en faisant quelques recherches supplémentaires avant de tourner cette vidéo, j'ai vu qu'il existait un livre consacré à Kerberos Panzerjäger en japonais. Je pense qu'il s'agit d'une retranscription du drame radiophonique Panzerjäger. Et donc, potentiellement, en tout cas, le texte existe. Maintenant, il faudrait que quelqu'un de japanophile et de japanophone soit prêt à faire la traduction. Ce serait vraiment super. Bon, à mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais on sait jamais. Parfois, il y a des surprises intéressantes du côté des fansubs et des fans en général. Donc, croisons les doigts. On peut également espérer un jour la sortie des mangas en version française. Je pense que des petits éditeurs pourraient potentiellement être intéressés pour le sortir. Parce qu'il y a quand même un potentiel commercial, je pense, dans cet univers, ne serait-ce que par le visuel des armures, ne serait-ce que par le nom de Oshii, ne serait-ce que parce que Jinro a eu sa petite heure de gloire, et puis parce que la France est quand même le deuxième marché du manga à travers le monde. Donc potentiellement, je pense qu'il y aurait une possibilité
Pour un petit éditeur, pas pour un gros éditeur, je ne pense pas que ça puisse être un Glénat ou un Casterman qui sera intéressé par ce genre de choses, mais un petit éditeur un peu plus spécialisé, avec une bonne approche marketing, je pense, pourrait faire quelque chose par rapport à ça. Et donc, avec un peu de chance, peut-être que la vidéo contribuera dans un sens à permettre la parution du manga en France. On peut toujours rêver. Après, si vous voulez faire des démarches également auprès de petits éditeurs de manga, peut-être que ça peut leur faire découvrir, ça peut leur montrer l'intérêt qu'il y a pour ces titres et potentiellement aboutir à une sortie du manga en France. Alors, j'ai également une question de Jason Like par rapport aux sources que j'ai utilisées. Si vous voyez dans la vidéo précédente sur Inkontech, j'avais indiqué la principale source que j'avais utilisée pour faire la vidéo, à savoir donc le livre du Korean Film Council. En ce qui concerne celle-ci, je n'ai listé que un site de fans de Jinro parce qu'il contient un certain nombre d'interviews de Oshii et de Okura. En réalité, évidemment, j'ai utilisé d'autres sources. Mais il se trouve qu'il existe très peu d'articles regroupant l'ensemble de l'univers des Kerberos et proposant des analyses fouillées par rapport à l'origine de cet univers, comment il a évolué, tout ça, comment Oshii l'a créé. Il y a quasiment rien. On trouve juste des petits bouts, dans des petits bouts d'interviews par-ci par-là, des petits trucs. Donc il a fallu que je picore dans tout un tas de ressources, internet, magazines. Je n'ai pas pioché par contre dans les livres qui sont consacrés à Oshii. Alors, pourquoi? Déjà, il faut dire qu'il y a deux livres à ma connaissance sur Oshii en anglais et un livre en français. D'après mes recherches, sur les livres en anglais, il n'y a quasiment rien sur les Kerberos. Ça préfère se concentrer surtout sur Ghost in the Shell, Pat Labor, les gros titres qui sont vraiment connus. En plus, il n'y a pas d'interview avec Oshii, c'est vraiment juste des analyses de son œuvre qui sont potentiellement intéressantes, mais qui n'apportent pas forcément ce que moi je cherchais pour faire la vidéo et pour ma propre culture par rapport à l'univers des Kerberos Panzer Cops. Donc je n'ai pas fait l'achat de ces livres et donc je ne les ai pas utilisés comme source pour la vidéo. L'autre livre existant, c'est celui en français de Julien Sévéon. Et là, j'ai un petit doute. Alors, j'ai fait un peu de recherche par rapport au livre et j'ai eu l'impression qu'il ne développait pas non plus beaucoup l'univers des Kerberos Panzer Cops et qu'il n'y avait pas non plus d'interview, de bout d'interview d'Oshii. Je me trompe peut-être. Je n'ai pas pu feuilleter le livre. Donc, n'hésitez pas à me dire si j'ai eu tort, s'il y a bien effectivement tout un développement par rapport à l'univers des Kerberos et si il y a des interviews, des bouts d'interviews de Oshii par rapport à ça. Dans ce cas-là, ben je corrigerai le tir tout de suite en le commandant et en le lisant, et peut-être que je ferai une vidéo de retour sur la saga des Kerberos Panzer Cops. Enfin, au final, je ne l'ai pas utilisé donc comme source pour la vidéo, mais je reconnais que c'est peut-être une erreur de ma part à voir. Par contre, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai regardé donc dans les vieux magazines s'il y avait des interviews que je pouvais utiliser pour m'aider dans son élaboration. Et il y avait un certain nombre d'interviews et d'articles qui avaient été faits au moment de la sortie de Jinro en France. Jinro avait eu une couverture média quand même assez importante, et le film, je crois, avait plutôt bien marché. Et donc, il y avait eu un certain nombre d'interviews de Oshii, de Okura, qui avaient été faits dans la presse. Et donc, je les ai un peu regardés avant de préparer, avant de faire la vidéo. Et c'était assez intéressant de remarquer que aucun des articles, aucun des interviews qui étaient faits ne connectait Jinro à l'univers plus large des Kerberos Panzer Cops. Il y avait parfois une petite mention, histoire de dire qu'il y avait eu d'autres trucs par rapport à ça, mais ça n'allait jamais dans le détail, ça restait assez vague, et c'était totalement déconnecté de l'univers des Panzer Cops. Et je trouve ça assez surprenant, je trouve ça vraiment très étrange de ne pas avoir fait le lien. Alors je ne sais pas si c'était simplement une méconnaissance, ou bien si c'était un angle d'attaque parce qu'on ne connaissait de toute façon pas vraiment la saga des Kerberos Panzer Cops en France. Mais en tout cas, il n'y avait rien par rapport à ça et c'était un peu dommage. Même si les interviews en elles-mêmes étaient intéressantes, il y avait d'autres aspects de la production du film qui étaient abordés et c'était très intéressant en soi. Mais pour l'univers des Kerberos Panzer Cops, ça n'aidait pas beaucoup malheureusement. Vu qu'on parle de Oshii, je pense que ce serait intéressant de parler un petit peu des autres films live qu'il a fait. Alors déjà, il y a deux observations qu'il faut faire par rapport à Oshii et les films live. La première, c'est que visiblement, Oshii aime sincèrement faire des films live.
C'est pas quelque chose qui a été un one shot comme Katsuhiro Otomo avec son World Apartment Horror, et il l'a fait une fois, après il est reparti à l'animation et il n'a plus jamais touché. Oshii, non, non, il y est revenu régulièrement à la charge, il n'a jamais lâché l'affaire, il a toujours continué à faire des films live, et ça lui a pris très rapidement, puisque Lunettes Rouges c'est 87, si ma mémoire est bonne, et il a tout de suite, c'est quelque chose qu'il a fait très rapidement après avoir fait ses premiers films d'animation. Il a enchaîné très très rapidement avec du live. Et la remarque corollaire par rapport à cette première observation, c'est que malheureusement, Oshii n'est pas vraiment un très bon réalisateur de films live. Si on compare sa filmographie de films live avec sa filmographie de films d'animation, je veux dire, c'est le jour et la nuit, hein. Il y a vraiment toute une série de chefs-d'œuvre d'un côté et au mieux un ou deux bons films de l'autre et beaucoup de trucs pas terribles. C'est assez fascinant de voir à quel point il y a une différence entre le Oshii réalisateur de films d'animation et le Oshii réalisateur de films live. Après avoir fait Lunettes Rouges et Stray Dog, le troisième film qu'il a réalisé, c'est Talking Head. Alors Talking Head, c'est encore un morceau assez particulier à avaler. Sur le papier, le sujet est plutôt sympa parce que c'est un directeur de film d'animation qui disparaît au moment où un projet de film d'animation donc arrive à un moment critique. Et il y a une enquête qui se met en place afin de découvrir ce qu'il est advenu de lui. Alors évidemment, avec un tel sujet, on voit bien que Oshii doit puiser dans son vécu, hein, dans ce qu'il a connu au sein de l'animation. Le problème, c'est que visiblement, c'est très très private joke. C'est beaucoup beaucoup de références qui, à moins qu'on soit un gros spécialiste de Oshii ou un gros spécialiste de l'animation, passent un petit peu au-dessus. En plus, pour des questions de budget ou bien une question de choix artistique personnel de la part d'Oshii, toute l'action se passe sur une scène, comme une scène de théâtre en fait. On est sur un espèce de théâtre expérimental. Il n'y a quasiment pas de décor, il y a un décor un peu minimaliste. Et quand il y a des actions qui se passent, eh bien les acteurs, les mimiques font semblant de courir et tout, des trucs comme ça. C'est donc très très particulier. Personnellement, je pense que le film est raté, hein, on va le dire tel quel. Je suis pas loin de penser que c'est un des pires films d'Oshii. Si vous êtes vraiment un gros fan d'Oshii, tentez le coup, hein, peut-être qu'il y aura des références que vous capterez et que vous apprécierez beaucoup plus que moi. Moi, en tout cas, j'ai jamais réussi vraiment à rentrer dedans. C'est vraiment très particulier. Après Talking Head, il y a Avalon. Alors Avalon, c'est clairement le film live de Oshii le plus connu, hein. Il est sorti en France en 2001. Il avait eu une bonne couverture média et là encore, je crois qu'il avait plutôt bien marché commercialement. Thank you.
C'est plutôt mérité parce que Avalon, je pense, est le tout meilleur film live de Oshii. C'est une histoire de jeu dans la réalité virtuelle. On a d'un côté un monde assez gris, assez dur, assez sombre, un peu inspiré des pays de l'Europe de l'Est. D'ailleurs, le film est tourné en Pologne. Et à côté de ça, on a un monde virtuel, un jeu dans lequel l'héroïne participe et visiblement est une cadre. Et après, il y a tout un tas de questionnements par rapport à la réalité virtuelle, à tous ces questionnements qu'il y avait à l'époque et qui restent encore d'ailleurs d'actualité et qui sont présents de manière générale dans l'œuvre d'Oshii. C'est, alors encore une fois, c'est du Oshii, donc c'est lent, c'est particulier, c'est bavard, beaucoup de questionnements, beaucoup de portes ouvertes aux interprétations. Personnellement, je suis rentré dedans. Je pense que le visuel, avec des teintes très, très sépia, très, très sombres, le fait que ce soit tourné en Pologne, donc, aide beaucoup à rentrer dans le film, de même que la musique de Kenji Kawai, qui est vraiment très, très bonne. Et à partir du moment où on rentre dans le film, bah, évidemment, ça, c'est un ride assez intéressant. Si on le compare à un autre film qui traitait un peu du même sujet, qui était sorti à la même époque, Existence, personnellement, je trouve qu'Avalon est supérieur à Existence. Mais après, il faut encore une fois, c'est du Oshii avec tout ce que ça implique derrière, de rythme, de manière de traiter son sujet. Donc faut en être conscient. Mais si on aime Oshii, je pense que Avalon, c'est plutôt un mets assez appréciable. Et je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment dans le haut du panier de sa filmographie en tant que film live. Alors après, quelques années plus tard, il a fait Kill. Qui est en fait un film omnibus, réalisé donc par quatre réalisateurs différents. Visiblement, Oshii a fait le dernier segment, alors je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas pouvoir en parler. Les retours critiques qu'il y a eu sont assez mauvais, mais bon, à voir. L'année d'après, en 2009, il a fait Assault Girls. Alors, Assault Girls, c'est encore un film très particulier. J'ai l'impression de le dire à chaque fois quand je parle des films d'Oshii, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est censé se passer dans le même univers que Avalon. On suit trois jeunes filles, si ma mémoire est bonne, qui se baladent un peu dans l'univers du jeu de Avalon. Il n'y a pas de lien direct, c'est juste une question de se retrouver dans le même type d'univers qu'Avalon. Donc, les filles ont des grosses armes. Elles se baladent, elles sont dans une espèce de déambulation dans cet univers. Le film est très court, à peine un peu plus d'une heure, si ma mémoire est bonne, mais on a l'impression qu'il en fait deux à trois fois plus. C'est difficile, c'est vraiment difficile de rentrer dedans. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il veut en venir. On n'a pas l'impression qu'il y ait grand-chose derrière. C'est un peu raté, hein. Moi, personnellement, je le mets quasiment à la hauteur de Talking Head dans les pires films d'Oshii, les pires films d'animation, les pires films live de Oshii, puisque de toute façon, par définition, les pires films de Oshii sont des films live, hein. Je vous le recommande pas, hein, c'est vraiment pas terrible. Ça ne l'a pas empêché de continuer de manière obstinée. Et en 2014, il a sorti Garm Wars. Alors, Garm Wars, c'est un vieux projet qu'il avait depuis 1995. Qu'il a traîné, 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 et qu'il a enfin pu concrétiser grâce au développement des effets spéciaux numériques. C'est en fait, le scénario est assez simple en soi, c'est une guerre sur une planète distante entre deux peuplades totalement différentes. Mais c'est un film qui mélange donc prise de vue live avec des acteurs et beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux numériques.
is and ever shall be. I form the light and create darkness. C'est vraiment un drôle de film. Personnellement, moi, j'ai bien aimé, mais encore une fois, c'est très particulier. On se retrouve avec des acteurs qui sont pas très très bien intégrés, qui déclament des grands textes. Mention spéciale à Lance Henriksen, à ce bon vieux Lance Henriksen, qui a des textes à dire qui sont totalement incompréhensibles au début. C'est vraiment très difficile de rentrer dans le film au début. On est catapulté dedans. Alors, il y a une espèce de petit rappel des événements, mais bon, ça n'empêche qu'on est complètement perdu au début. Ça prend sur ça s'inspire en partie de la mythologie celte. Ça mange un peu à tous les râteliers. Il y a tout un tas de design très méca, très intéressant d'ailleurs, vraiment plutôt bien fait. On retrouve également des figures classiques de Oshi avec l'héroïne, hein, qui est une jeune fille avec une coupe un peu carrée, qui se balade avec un gros flingue. Donc un espèce de croisement entre l'héroïne d'Avalon, de Ghost in the Shell ou de Assault Girls. Moi je suis rentré dans le film, moi j'ai assez bien aimé. Il faut vraiment... J'ai apprécié en fait toute la richesse des visuels. Oui, les effets spéciaux sont pas forcément au top tout le temps, loin de là, mais il y a toujours des idées au niveau des designs, il y a toujours des idées au niveau de tous les accessoires. C'est assez intéressant de ce point de vue-là, et ça manie un certain nombre de concepts assez profonds, même si parfois on se demande un peu où est-ce qu'il veut en venir, mais ça c'est assez fréquent avec Oshi. J'ai eu un peu l'impression, alors pour ceux qui connaissent, et toute proportion gardée, ça m'a fait un peu la même impression quand j'ai regardé On the Silver Globe de Zulawski. Cette impression d'être dans un univers totalement étrange et on est complètement baladé, et on ne sait pas trop ce qui va se passer. J'ai eu un peu cette impression en regardant le film, et moi c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé. J'ai aimé me balader dans cet univers, même si il est assez complexe, il est assez étrange, mais il y a quelque chose d'assez fascinant qui fait que je pense que le film mérite d'être vu. En 2015, on a eu Next Generation Pat Labor Tokyo Wars.見えない戦闘ヘリだ。たった一機の脅威が首都を戦場に変えた。ゴーストより、ハウンド。お前たちにこいつは落とせない。彼女を知る者たちは、灰原について口を揃えてこう語っている。よく覚えていない。灰原霊という名前以外、何一つ印象を残していない。 星守が本当に描きたかったパトレイバーがここにある。あいつは誰なんだ。幻の追加映像27分。あなたは真実を知ることになる。パトレイバー首都決戦ディレクターズカット。 Sorte de suite remake de Pat Labor 2. C'est quasiment la même histoire que Pat Labor 2, avec des références donc par rapport à Pat Labor 2, mais en mettant quelques éléments un peu nouveaux, mais foncièrement c'est un remake. Et c'est tout l'intérêt et toutes les limites du film. Évidemment, vu que Pat Labor 2 c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de Oshi, ça fait que ça reste intéressant à voir en live, de voir comment est-ce qu'il a transposé et de voir un peu quelle nouveauté il apporte au sujet. Mais foncièrement, on reste quand même dans les mêmes sillons que Pat Labor 2, et c'est forcément inférieur. C'est pas un mauvais film en soi, c'est même plutôt correct. Je trouve que c'est assez casse-gueule de faire un film Pat Labor, surtout avec le budget qu'on imagine dont il doit disposer. Et je trouve que Oshi s'en sort plutôt pas trop mal à ce niveau. Donc c'est une bonne chose, mais ça reste beaucoup trop dans l'ombre de Pat Labor 2 pour vraiment convaincre. Il aurait mieux fallu qu'il fasse une histoire originale, à mon avis, ça aurait été plus intéressant. Il y avait de quoi, hein, les personnages sont plutôt bien campés, la scène avec le labor à la toute fin est plutôt réussie. Enfin, il y a des éléments qui donnent à penser que Oshi pourrait faire un film Pat Labor live réussi. Celui-ci l'est à moitié, il est
intéressant, il montre le potentiel, il donne espoir pour quelque chose d'un peu plus original, mais il reste quand même fondamentalement perdu dans l'ombre de son modèle de 1992, si ma mémoire est bonne. Et en 2015, Oshii a fait Nowhere Girl, son tout dernier film live, qui porte sur les abus à l'école au Japon. Alors je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. Visiblement, les échos sont plutôt positifs. Donc ça mériterait certainement d'être vu. En tout cas, il n'est pas sorti en France. Hein. La plupart des films, là, quasiment tous les films dont j'ai parlé, tous les films live de Oshii ne sont jamais sortis en France, sauf Avalon. À vérifier peut-être pour Game Wars, il me semble que non, mais peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et en tout cas, donc le bilan qu'on peut tirer de Oshii, cinéaste de films live, ben, comme je l'ai dit, il est pas très très glorieux, hein. C'est quand même pas génial. Mais vu son obstination, je pense qu'il va continuer dans cette voie, hein. Manifestement, il préfère faire des films live aux films d'animation. C'est regrettable, c'est dommageable, mais voilà, c'est son choix. On peut comprendre aussi que faire un film d'animation, c'est quand même énormément, énormément de travail. Potentiellement, il peut faire des films live un peu plus rapidement, donc ça peut se comprendre d'un certain point de vue. On peut le déplorer, mais en tout cas, il y a toujours des choses intéressantes à prendre à droite à gauche dans les films de Oshii. Donc, on va continuer à le suivre. En tout cas, je vais continuer à le suivre. J'espère que vous continuerez à le suivre aussi. Et puis, peut-être qu'on en reparlera à nouveau dans une prochaine vidéo. Voilà en tout cas pour celle-là. La prochaine vidéo sortira dans une semaine, comme d'habitude. Et je vous reverrai donc dans la vidéo de retour qui suivra, elle, dans les 3 semaines après sa mise en ligne. D'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur la Maison du cinéma asiatique.